Hey les amis, voici une nouvelle vidéo. Et oui, j'ai reçu enfin un colis, le colis que j'attendais. Voilà, c'est ici. Voilà, j'ai prévu d'ouvrir des colis que je vais recevoir, les colis pour les vidéos, pour améliorer les vidéos. Et je pense que ça c'est un truc que j'attendais. J'ai acheté ça en même temps que l'ordinateur, mais l'ordinateur je l'ai reçu bien avant. Donc c'est parti. Couteau, attention. On va voir. Oh là là. Et après on va tester ça dehors. Bon, j'ai pas payé cher, alors j'espère que c'est de bonne qualité quand même. Et... c'est quoi ça? Oh, c'est pas ça. C'est bon. Et voilà. Oh là là. On dirait de la bonne qualité. Donc c'est un stabilisateur de vidéo. Et oui, pour voilà, si vous avez remarqué sur mes vlogs, ça tremble un petit peu. Bah là, ça c'est un truc pour améliorer les vidéos. Après, je sais pas comment on va l'utiliser. Ça sera la surprise. Oh là là. Je suis content. Je suis vraiment content quoi. Voilà. 30 euros je l'ai payé. 30 euros. Vraiment pas cher du tout. Alors, il y a quoi dedans? Ok. Donc, la sacoche qui va avec. Ah, il y a des trucs dedans, j'ai l'impression. Attends, oh là. D'accord. Je sais pas à quoi ça sert ça. Ah, d'accord, ok. Pour mettre ma caméra. Et là, je peux la régler. Donc là, voilà, j'ai regardé un peu les chaînes YouTube des vidéastes et donc on m'a conseillé ça. Par contre, il faut savoir l'utiliser, donc il faut que j'apprenne à l'utiliser. Donc là, on va aller tester ça dehors. On va aller tester ça dehors et voilà quoi, j'espère que ça a bien marché. Je sais pas si c'est quoi. Allez, hop. Voilà. Ça fait vraiment plaisir. Voilà. Et ça, normalement, tu la mets comme ça. Voilà. Et ça marche comme ça. Voilà, on utilise avec ça la main. Et on filme. Par contre, c'est lourd. C'est très très lourd même. Putain. Je pensais pas que c'était aussi lourd que ça. Donc voilà. Après, pour la régler, comment ça se règle ça. Donc voilà, donc on se retrouve dehors, à tout de suite. Et nous revoici donc à l'endroit où je sors le chien. Et du coup, bah, on va tester un peu mon appareil que je viens de recevoir, c'est parti. Par contre, faut avoir l'habitude apparemment, c'est pas... C'est qu'au début là. J'espère que je vais pas, ça va pas trembler. Je teste la caméra. Donc excusez-moi si ça tremble. Mais il faut apprendre à utiliser l'appareil. Là ça tremble un petit peu normal, je me couche.
peux tourner avec. Je peux la tourner comme je veux. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal cet appareil. Par contre, ouais, faut. Voilà. Comment je suis. Oh là là. Je suis content. Après, voilà, c'est normal que ça bouge. Hein. Obligé. Voilà, c'est ça. C'est super lourd en vrai. C'est de la ferraille. Donc, voilà quoi. En tout cas, je suis content du rendu. Et puis, ben, j'espère que ça va de mieux en mieux. Hein. De toute façon, je verrai un peu, les astuces sur YouTube. Il y en a plein qui font des astuces avec cet appareil. Donc, je verrai bien. Donc voilà, ça y est. Voilà, donc je vais essayer de vraiment de m'améliorer avec cet appareil. Et puis en fait, dès que j'achèterai un truc pour ma caméra, je vous montrerai en vidéo et on testera ça en vlog. Et voilà quoi, j'espère que ça va m'améliorer pour mes montages. Donc voilà, normal si ça fait si ça tremble encore, hein. Je sais pas l'utiliser, hein. J'ai utilisé direct après que j'ai ouvert le colis. Donc voilà. Voilà. Donc j'espère que ça va m'améliorer. En plus, bientôt il y a le festival interceltique de Lorient que je vais pouvoir y aller. Et avec cet appareil là, ça pourrait le faire. Je vais m'apprendre. De toute façon, là, dans 2 semaines, j'ai un anniversaire à filmer. Voilà, de retour à la maison. Donc, belle performance. Dommage, hein, j'ai vu un peu les vidéos, ça tremble beaucoup, mais voilà, il faut vraiment que je m'améliore, hein, comme j'ai dit. Je verrai sur YouTube. Là, je suis devant mon PC, je vais commencer à faire les montages. Donc je valide, même si ça tombe. Oh là, je fais tomber. Voilà, je valide. Voilà, ça tient comme ça. On va faire en sorte que ça tremble plus. Et un truc pour poser. Et après, on la visse ici. Et tu la poses. Et on peut, comme j'ai dit, filmer à terre comme ça. Ça peut être pas mal aussi. Donc voilà, donc j'ai terminé pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, mettez un max de j'aime, partagez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Et j'en ferai d'autres, hein, quand j'achèterai d'autres matériels pour les vidéos. Donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, tchuss.